sur la chaîne YouTube L'œil du Celte. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur Ethereum qui est là. Bah non, pas encore une énième vidéo sur Ethereum, tuto, comment faire, machin. Non, je vais vous parler des petites bêtes qui sont à l'intérieur. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va parler des Tribulonotus gracili ou 5 crocodiles. Voilà, c'est une espèce qui est très très attachante. Je préfère préciser tout de suite que c'est une espèce qui est déjà premièrement nocturne, mais ensuite qui se cache énormément. Donc après, il va falloir que j'habitue à les nourrir tout petit à petit à la pince. Si j'arrive à les faire sortir, tant mieux. Sinon, comme vous le connaissez, dans mon élevage, c'est pas la priorité. Moi, mes bêtes, je préfère les observer. Bon, c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des bêtes qui se cachent énormément, mais c'est pas grave. Mais tout le monde me dit, mais beaucoup me posent des questions, mais comment tu sais qu'elles vont bien et tout? Ben, c'est tout bête, c'est que je retrouve des excréments. Les grillons que je mets, pour certains, sont saupoudrés de calcium. Il n'y a plus rien. Donc, j'en remets de temps en temps, parce que je ne les nourris pas tous, parce qu'il faut savoir que ce sont des bêtes adultes, donc j'ai un couple. Mais au moins, le terrarium, entre guillemets, convient, puisque je retrouve des excréments. Je les ai déjà entendus chasser. Donc, la nuit, des fois, ça fout un peu le bordel là-dedans. Alors, heureusement, voilà, que c'est bien humide, donc ça ne fait pas trop de bruit. Mais je préfère préciser que voilà, c'est des fois le soir, c'est très actif. Donc moi, ce que je vais vous parler, c'est comme je vous l'ai fait dans plein de tutos, donc on va pas parler de fiches d'élevage, c'est une vidéo qui va être consacrée, donc comment maintenir cette espèce simplement, mais vraiment avec les bases vitales pour la bête. Je précise bien, pour moi c'est toujours important de dire vital. Je vais juste vous expliquer en captivité les paramètres essentiels, la taille du terrarium, il y a du minimum et du maximum. Maximum, je pense que ça sert à rien de dire ça, mais il y a du minimum à avoir, et voilà, après il y a deux méthodes différentes, je vous le dis tout de suite, on va, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec ou sans bassin, c'est une question de, c'est un choix personnel, et c'est un choix qui, à mon avis, c'est un choix qui va être changé au niveau du futur, parce que j'avoue que mettre un bassin par la suite dans un terrarium, celui-là ou un autre, celui-ci, normalement ça passe, mais je pense que la hauteur au niveau de l'eau, il risque d'avoir un problème, je peux mettre une bassine séparément, enfin tout ça, mais ça risque de poser un problème. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut, ce que j'ai fait dedans, et pour qu'il soit tout bien. Je vais vous montrer l'espèce en gros plan, je vais vous expliquer tout, mais voilà, les bases minimum, et si vous voulez faire un terrarium naturel ou pas, voilà. Donc c'est vrai qu'avoir cette espèce, le but c'est de faire un terrarium naturel, et moi je vous conseille à 1000%, parce que quand vous voyez le rendu, voilà, c'est tout simplement sublime, et ça pousse, ça explose de partout, qui ont explosé, qui vont même un peu trop loin, comme vous voyez les feuilles là. Elles ont carrément dépassé la remplaine. Voilà, donc allez, c'est parti, on va se mettre directement dans le terrarium. Enfin, non, je parle de la caméra, pas moi. Je suis quand même... bon, je suis pas très très gros, très costaud, mais voilà, je rentre pas dedans quand même. Comme vous pouvez le voir, donc le terrarium qui est devant vous, donc c'est un terrarium qui fait qui est assez de grande taille, donc qui fait 120 par 45 par 45. Donc j'aurais pu mettre beaucoup plus de spécimens, mais j'ai décidé d'en mettre deux, un mâle et une femelle. Ici, vous avez un terrarium, donc on peut prendre un terrarium ou un aquaterra, c'est libre à vous. Moi, j'ai décidé de faire, comme je le fais d'habitude, des billes d'argile, une feuille géotextile, du substrat. Alors, dedans, vous avez, et je crois que je changerai par la suite si je refais. Ici, vous avez donc un substrat, donc ce qu'on appelle avec de l'engrais organique. Donc, en gros, c'est à peu près, sans exception, de la merde. Voilà, avec une épaisseur de sphène, donc on a entre 7 et 10 cm d'épaisseur, parce que ce sont des animaux qui sont très, très, très fouisseurs. Donc, ils font des galeries et tout ça. C'est une espèce qui fait 15 à 17 cm au niveau de la taille. Donc, c'est pas une espèce qui est très, très grande, mais il faut faire attention. Avec une hygrométrie quand même assez élevée. Moi, je tourne autour de 70%. C'est pour ça que c'est bien aéré. Le terrarium, il est un peu détrempé. Donc, ce qui permet en même temps aux bêtes de bien se balader, bien s'enfouir si elles ont besoin, surtout la journée. Pourquoi je ne remettrai plus d'engrais organique? Tout simplement parce que ça attire les mouches, les moucherons. Et voilà, mon terrarium est rempli de moucherons. Donc, il y a une petite astuce pour ça. Donc, un petit bol. Alors, vous ne le mettez pas dans le terrain, hein. Un petit bol, vous mettez soit du vinaigre avec du liquide vaisselle, soit du vinaigre avec du miel, et les mouches vont aller directement dedans. L'avantage, comme je vous expliquais au niveau du terrain, c'est qu'on va pouvoir avoir un terrain qui sera complètement végétalisé, donc avec des plantes style fougère, broméliacée, enfin plein de petites plantes comme des pothos, qui vont pouvoir proliférer, bien pousser avec les bonnes langues qu'il faut. Donc, c'est vraiment le but, entre guillemets, de ce genre de terrarium, c'est d'avoir au moins avoir une qualité de végétation assez sympa. J'ai fait pas mal de tutos comment mettre des plantes dans des souches. Là, on avait des souches d'écorce de liège. Là, on a carrément de l'écorce de liège. Donc, c'est vraiment un terrarium qui est super sympa au niveau de la décoration. Et c'est ce que je préconise vraiment
pour ce genre d'espèce. Donc le pothos, qui est assez sympa au niveau, donc c'est une plante qui pousse très 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 vite et très bien si elle est bien, entre guillemets, arrosée et qu'elle détrempe bien dans l'eau, parce que c'est une plante qu'on peut aussi mettre directement dans de l'eau. Donc pour faire des aquatérariums ou autres, vous pouvez la mettre directement dans l'eau. Donc ici vous avez des souches, normalement il y en a un ici, raté, comme par hasard, et ou alors, hop, voilà, les deux sont là. Le mâle, ou la femelle, je ne sais pas. Là, je pourrais pas vous dire qui est là, qui est quoi, hop. Voilà. C'est une bouille super attachante. Voilà, je vous les montrerai un petit peu plus facilement en gros plan. Ça sera plus facile tout à l'heure. Donc voilà, vous avez un terrarium ici. Le plus important après, ça va être au niveau de l'éclairage. Ça va être les lampes horticoles. Vous aurez un tuto par la suite au niveau de l'éclairage des lampes horticoles. Je vais vraiment vous faire un tuto complet, ce qu'il faut choisir. Les bonnes lampes à utiliser sans bien sûr se ruiner, ce qui est vraiment, je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Et voilà, moi j'utilise un tapis chauffant ici parce qu'il faut avoir quand même une bonne régulation de température en fonction du jour et la nuit. Et voilà, ici moi j'ai un tapis qui est constamment chauffé, donc j'ai une température ici constante de 25 degrés ici, constante. Là, la journée avec les lampes chauffantes, j'ai exactement 27 degrés. La nuit, j'ai 22 et je reste à 25 côté droit, toujours. Voilà, donc j'ai bien radiant thermique jour, nuit, ce qui permet d'avoir une température idéale. Bon, il faut savoir, ce sont des bêtes, et il ne faut pas du tout dépasser les 30 degrés au niveau du chauffage, voilà, pour pas les mettre en danger par rapport à leur habitat, entre guillemets, naturel. Pour la nourriture, c'est tout simple. Moi, j'utilise ou des grillons ou des blade runners. Pour l'instant, les vers de farine, il y en a. Enfin, je trouve que c'est pas très, très appétant pour eux. Bon, pour l'instant, ils n'en mangent pas, donc j'essaierai par la suite. Mais bon, voilà, c'est une nourriture qui est assez simple. Les grillons pour les juvéniles, donc de toute petite taille, hein, bien sûr. Normalement, c'est une à deux fois par jour. Pour les subadultes, tous les deux jours. Et pour tout ce qui est spécimen adulte, on va dire deux fois, voire trois fois par semaine. En fonction de la taille, moi j'utilise des tailles 7 et 8 pour mes spécimens adultes saupoudrés de temps en temps de calcium, ce qui est très très important. Et je reprécise, les UV ne sont pas obligatoires pour les spécimens adultes. Pour pouvoir avoir un terrarium avec une belle végétation, le plus important c'est ça, la lampe horticole. Là vous avez une rampe et là vous avez, hop, une plaque horticole. Donc je vous mettrai les références sous le descriptif de la vidéo. Pareil pour le thermostat, donc ma petite merveille de thermostat, le Inkbird, voilà. Ici, vous voyez, je suis à 24,6, il est en train de chauffer, il va monter jusqu'à 25. Je peux le, comment dire, commander à distance, vérifier à distance, le mettre sous alarme. Donc si ça va pas, il me sonne, soit directement dans la pièce, soit directement sur mon téléphone. J'en ai profité pour leur faire faire un petit bain. Voilà, vous voyez, c'est, vous voyez la taille de ma main. C'est pas non plus. Voilà. Là j'ai mis une eau à 22 degrés environ. Toujours sur l'œil avisé. Là on est avec Tigresse. Hop. Et on passe au sujet de la vidéo. We'll be right back.
Voilà, comme je vous l'expliquais, donc c'est vraiment un terrarium qui est assez simple, vous avez l'espèce quand même assez sympa. Donc le petit bain pour éventuellement préparer la mue ou quoi que ce soit. Ouf, voilà, moi j'aime bien, comme ça les petits bains me servent en même temps de vérifier si mes bêtes vont bien. Depuis que je les ai, c'est la première fois que je leur fais prendre un bain, ce qui m'a permis en même temps, bien sûr, de faire cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre un bassin, donc en fonction de la taille que vous avez. Moi j'ai un bassin qui fait 10 sur 15. Après on peut mettre beaucoup plus grand et limiter l'espace. J'aurais pu faire un bassin totalement aménagé dans le fond avec une petite pompe et avec tout ce qu'il faut, mais j'ai un projet différent pour ce genre d'animaux avec une fontaine cascade. Donc vous verrez par la suite, il va y avoir d'autres tutos d'aménagement sur ça. Dites-moi ce que vous pensez entre guillemets de cette espèce. Le Terra vous convient-il? Qu'est-ce que vous auriez apporté de différent par rapport à cette espèce? Bon, faut savoir que là tous les paramètres sont bons, comme vous voyez, hein, ce sont des tutos qui sont simples. C'est entre guillemets le minimum, même si là il y a beaucoup plus qu'un minimum pour pouvoir faire en sorte que les bêtes se sentent le mieux possible. On ne pourra jamais reproduire entre guillemets l'habitat naturel d'une bête voilà, comme celle-ci, mais au moins on essaie de s'y approcher au mieux possible. Donc hein, comme je vous dis, hein, de la terre épaisse, moi je vais éviter, je vais trouver un autre substrat qui n'a pas tout ce qui est organique à l'intérieur, comme ça il n'y aura pas de mouches. De la sphène, là c'est de la sphène de Madagascar, qui est de très 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 bonne qualité, qui absorbe bien l'eau, donc on n'a pas de l'eau stagnante, vraiment c'est vraiment top. Et tout ce qui est au fond, la paroi là, on a du liège expansé, en plus on peut l'arroser, enfin c'est vraiment top. Le terrarium il est vraiment étanche au niveau du bas, on a des bonnes aérations. Donc si vous avez des questions, si éventuellement j'ai omis de vous dire quelques précisions sur la bête, n'hésitez pas. Je pense vous avoir tout dit, les températures, comment ça mange, les mœurs. Bon là j'ai un couple, peut-être que j'aurai des bébés, ça sera à suivre. Au niveau de la nourriture, bon voilà, le calcium de temps en temps, pas du bébé pour les spécimens adultes. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos impressions par rapport à ce tuto. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, il va y avoir d'autres tutos qui vont suivre, d'autres projets, d'autres surprises, et voilà. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, n'hésitez pas à en parler autour de vous, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur cette petite cloche, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube L'œil du Celte. Voilà, ciao ciao tout le monde, peace.